c'est comme conseil d'administration. Un conseil d'administration, c'est une méthode de gouvernance qui a été créée par les Anglais à la fin du XIXe siècle et conçue comme un club anglais, c'est-à-dire un lieu dans lequel se retrouvaient les hommes, ce qui était normal à l'époque. Simplement, on a réalisé petit à petit que des hommes qui sortent tous des mêmes grandes écoles, des mêmes clubs, manquent peut-être d'une intelligence différente. Et donc, il était nécessaire, pour contribuer à l'intelligence collective du conseil d'administration, parfois même parce que c'est l'objet social de l'entreprise en question, il était nécessaire de l'ouvrir à des femmes. Lorsqu'une entreprise vend des vêtements féminins ou vend des voitures, les clients sont souvent des clientes, et donc il est quand même anormal qu'au sein de ce conseil ne siège pas un minimum de représentants de ses clients et qui sont des clientes.